Et on est sur le plateau de la saison 3 de Rentre dans le cercle. Et c'est le premier épisode. Mon casting, c'est un casting de luxe. Mon DJ, c'est une moulin de stars. Mon compo, c'est un bordel nucléaire. Mes invités, c'est des dingueries. C'est Fianso. On est en direct de Saint-Ouen dans le 9-3. Il y a des nuages, mais on a chaud, on a faim. Rentre dans le cercle, saison 3, du bruit. Mon premier invité, sincèrement, quand je l'ai appelé, j'étais super flatté qu'il accepte. En plus, il a accepté immédiatement. C'est une des, pour moi, une des plus belles révélations là, de ces derniers mois et de cette dernière année. Je kiffe vraiment ce qu'il fait. Il nous vient de BX. Je veux du bruit pour Monsieur Frenetic, s'il vous plaît, le cerf. Comment tu vas, Raphaël? Bien. Ça se passe. Bon, tu nous fais un honneur, vraiment. Énorme buzz ces derniers mois. C'est beau ce qui se passe. La belle Blue Sky. Tout est bleu. Tout est bleu. Bruxelles. Et vert pour préciser, ouais. Ok, chaud. Frenetic est dans le cercle avec nous aujourd'hui. Viens, on continue, mon pote. Viens, trame-nous ça comme il faut, reprêter. Grand bienvenue. Les deux frères qui sont là, tu vois, ils ont l'air tout sains. Mais quand ils prennent des micros, ils font trembler les tops, ils font trembler YouTube, ils font trembler la France. On les aime de fou. Le premier, monsieur Larry est dans le cercle. Du respect et du bruit, s'il vous plaît. Ouais. Larry Strasbourgeois. C'est ça, ouais, c'est ça. Toi aussi, t'es un buzz récent. Ça fait quoi? Ça fait une pige et demie là que tu casses la baraque? Ça fait, c'est ça, c'est ça. Ouais, avec ton partenaire Mousse Parache. C'est ton ça, partenaire Mousse de Parache, guerre. Tout droit avec moi, tout droit avec moi. Que Mousse Parache. Que Wall. Chaud. T'es le grand bienvenu, merci d'avoir accepté. Merci. Ça tue que tu sois là. Merci. Moi, je t'ai rencontré 2-3 fois, on a beaucoup d'humains ensemble et je suis content vraiment. Merci. T'es le grand bienvenu, frère. T'es le grand bienvenu, vraiment, sincèrement. Merci. On l'a cramé ça comme il faut. Monsieur, t'es le Y. Monsieur Prince. Monsieur Amil Sobriquet. Sincèrement, je suis trop content que tu sois là. Trop content. Frère, j'ai miséré pour que tu sois là, mais non, je suis trop content. J'étais obligé, frère. J'étais obligé, c'est un rendez-vous de vie, frère. Je suis trop content que j'aime tu sois trop là. Le rap pour pas être là, frère. Sincèrement, mortel. Ce qui se passe en ce moment, les gimmicks, les machins, c'est extraordinaire. On aime bien le rap, hein. Franchement, c'est un des trucs de fusée. Ton clip avec toutes les pochettes, reprises, nana, avec ton Sufi, la relation que vous envoyez, le visuel. Moi, ça me touche en plein cœur. Et tu vois, dès qu'on voit de la sincérité chez les rappeurs et dans le Peura, ça nous fait du bien de ouf. Ça marche. Merci pour ça, monsieur Youssoufa. Et merci d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, merci. S'il vous plaît, Youssoufa dans le cercle. Viens, refrain, on n'a pas fini. Viens. Viens, refrain, on n'a pas fini. C'est Boumidia qui fait les produits cercle aujourd'hui. Allez, viens. Dans la maison! Attends, je le fais comme les combats de boxe. Dans le coin bleu! Mon gars double sûr! L'homme qui fait des tournées au Japon! L'homme de Corée! Le numéro 1 des DJ en France, monsieur, qui nous a retourné ce mouvement. Et je pense qu'on est énormément à faire ce métier parce que ce genre de mecs ont existé. Du bruit pour monsieur Cutula! Bien, toi? T'as la pêche? Tranquille. Je suis content de dire devant une caméra que t'es mon pote. Bah, avec ça plaisir, me fait plus vraiment plaisir. Voilà. C'est ouf, la légende, Sofiane. Fianso, c'est une dingue. Bon, quelle pièce, mon ami. Ouais, quelle pièce. C'est bien. Hein. Bon, je suis super honoré, super flatté que tu sois là aujourd'hui. Moi, ça me fait super c'est plaisir. Toi qui t'assures des platines pour nous. De ouf. Donc, on est en sécurité. Ah, ouais, franchement, avec des prods. Tu sais, quand je les ai écoutés, Boumidia, il a fait une dingue. Ah, Boumidia, allez. Voilà, c'était Boumidia. C'est Brosson, laisse tomber. Merci, merci mille fois d'être là. Merci, monsieur Ketchila. La petite race, c'est comment? Moi, je t'ai vu récemment dans un truc sur Netflix. Je t'ai entendu Péra, j'ai appelé, je dis c'est qui cette meuf? On m'a dit, bah ça tombe bien à Péra en ce moment. Je dis, bah super, invite-la pour le cercle. Du coup, t'as répondu direct, du coup, ça a pris quelques jours. Du coup, en 2-3 coups de fil, tu te retrouves dans le cercle. On me retrouve là. Osem, comment ça va? C'est un honneur, c'est un honneur. C'est vrai, t'es contente d'être là? Ouais, de ouf, de je suis ouf. Super content que tu sois là, vraiment, vraiment. Montpellier, c'est ça? Montpellier, Nîmes et toutes les cités de France en et vrai. Et toutes de les vrai. Cités de France, de partout. Du bruit pour Osem dans le cercle, s'il vous plaît! Le prochain numéro 9-4, il vient de Cachan. J'ai kiffé, moi, la manière dont il se mettait en scène. J'ai kiffé les clips en bail de questions-réponses, bail de un peu scénario, tout ça, tout ça. Là, il a l'air très sérieux, mais ça m'est grave tigeant. Il s'appelle Kofi Lossa, il est avec nous dans le cercle, il représente le 9-4, récemment signé sur le label de notre ami Pauline. Ouais, c'est ça. Sur Epic, chez Sony. Epic, ouais. Sacré écurie. Là, c'est la... C'est le Banks. Eux, c'est le Banks. C'est la zone 7. Direct du parking, direct dans le cercle. T'as compris ou pas? Tout de suite, immédiatement. Ceux-là, ils ont pas de filtre.
Comment ça va les frères? Ça va et toi? Bien, Shikai, c'est la forme? Non. Coolos? Yeah. Ça dit quoi? Ça dit préparation? Ça dit Seven Banks? Seven Banks, des 25, tout. Merci pour votre présence les frères, merci beaucoup. Voilà. Shikai argenté dans le cercle s'il vous plaît! Ouais. On a d'autres gens à vous présenter, on a d'autres gens à vous mettre en avant. On va passer au rap. S'il vous plaît, les gars, je veux vraiment, avec tous les gens qui sont derrière, tous les gens qui sont derrière moi aussi, un maximum de bruit pour la saison 3 de Rentre dans le cercle. Tout le monde, du bruit ! Ok, on démarre maintenant, tout de suite. J'en ai marre de parler, j'ai envie que ça rappe, j'ai envie qu'il y ait du sang partout. On est en direct du 9-3, on est à Saint-Ouen, poteau, et c'est Frenetti qui ouvre le cercle, mon gars. Cut killer. Est-ce que t'es dans la maison, mon ref? T'es une bombe, je t'aime, t'es une bombe atomique. On accueille Frenetti, du bruit le cercle, s'il vous plaît. Suis-moi, n'aie pas peur, ma jolie, t'inquiète pas. Tout est noir dans nos cœurs, course la monnaie avant qu'elle parte. Tu ne peux pas rester avec moi, je vis dans l'illégal. Tu peux pas rester avec moi, je vis dans les lignes. Ah, ok, tu l'as! Voilà! Yeah, Genja. Elinga trafique, les autres tapent des paras, les autres se branlent. Gagne-le. Frénétique! Espérance envolée, on s'est mis à voler. Des chaînes en or, des chaînes de vélo, le trafic c'est chaud, mais y'a pas de quoi s'affoler. Dites à la voisine de fermer ses volets. Hein? Armée et remplie grand cœur, je reviendrai comme Thanos. Charge jusqu'à ce qu'ils en attrapent le tétanos. Les voir faire les têtes dehors, ça me fait ricaner. On soulevait leurs danseurs dans des cages d'escalier. Je vous présente moi c'est Fréno Star et KSI, la zig ça marche pas. Je tomberai dans affaire de cesse. La digita est plus grosse que sa paire de fesses. C'est moi le virus, donc fuck, j'ai pas besoin de faire le test. Elle dit que je suis qu'un menteur, pourtant elle s'accroche. J'ai claqué deux salaires dans une nouvelle sacoche. Roulant pour eux, donc ils se blessent quand ils s'approchent. Fixé en double appel, bébé, faut que j'accroche. On se fait du mal pour des poussières. Ce que tu redoutes le plus, on y était tout fier. Je me pardonne quand j'en fais mal, j'étais tout fier. Me rêver pour moi, mais j'étais prêt à tout faire. Moi des piratés, la voix dans ma tête est censurée parce que vérité se fera. Si faut le faire, on fera, car même si l'amour me rend aveugle, je sais qu'un jour on se reverra. Je me loupe souvent pour qu'elle me trouve pas net. Des rancœurs de la taille d'une planète. J'en ai vu de toutes les couleurs, entre haine et douleur. T'inquiète, j'ai plusieurs palettes. J'ai souvent fait les 100 pas haute section. À deux doigts de leur faire sauter le caisson. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris que les réponses se cachent très souvent dans les questions. Beaucoup trop de faux culs qui m'appellent le S. Ils font semblant, mais au fond ils connaissent le F. Me noter dans le combi, je me fais Thomas Spinner. Vu que j'ai la même frappe que Thomas Müller. Tu mets toxique dans la pièce, chaud comme un chaman. 11h40, Oji est à la place. Dans la tête, j'ai tout fait pour brasser. Dis merci, je n'ai toujours pas pu la tasse. J'ai pas fait l'unif, non, non. Mais tous les jours, je fais du bif, Faire du sale objectif, Jeune boss, mon furtif, Elles veulent me faire la bise, mais non, qu'elles savent que pour nous ça marche. Des fois, je me sens comme Noé dans l'arche. Le droit chemin est étroit, donc souvent je prends l'arche. Bref, très souvent, j'ai vendu la grotte, bébé. Parce que c'est comme ça que dans la street, j'ai du tout à prendre. A chaque fois qu'il y avait du bif à prendre, on pouvait virer à 30 et se mettre à la vendre, bébé. Ouais. On en avait trop avant d'être à 30. Je vois mes ennemis grincer des dents vu que j'ai la destinée d'un prince élégant. Je remercie les contrats et les interviews ont remplacé le casque et les dents. Dans nos ruelles, tout le monde s'agrippe. Même habillé de remords, on se dit qu'il faut que ça drippe. Genja, Frémo Star a fait de la drill. Est-ce qu'on peut le T'es chaud, quoi. Voilà, t'es chaud. Ça flingue. Tu baisses tout, voilà. Ça vient des quartiers de BX à ZB. Alors, est-ce qu'on peut faire un silence? Est-ce qu'il te reste de la batterie dans la caméra, mon grand? On est toujours opérationnel? C'est fantastique. On enchaîne avec mon frère de Strasbourg. T'as la pêche, mon sang. Crame-nous ça. DJ Cut Killer, t'es OP. Envoie, Hugo. Wow! Dans un coup de crosse, une putain de coup de crasse. Je conseille vivement un truc de vergueur. Comme ça, taf, 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 taf. Allez, tiens, prends une taf. Allez, tiens, prends une taf. Moi, bon, tu ronronnes ma pétasse spray. Elle bouge son cul là, elle veut que je la graille. J'achète un tum-tum, j'arrose la table. Et j'achète un tum-tum, j'arrose la table. Et depuis pas tard, on voit des bastos, on est des bestos. Les petits fument du shit et du crack et de la coke dans la rue, y'a pas d'héros, le visage en shark. Capot quand la fumée s'échappe, je reviens de Bénidorm, je suis tout bronzé, tu cabon qu'à parler, parler, c'est des battes. Poussi l'oiseau bleu leur a donné des couilles, cousin. Siège, cuir, haute couture, le temps passe, mais le guetteur à la bouche. Cousu, eux ils pètent la patèque avec l'agent de l'avance. Nous on pète des relis avec l'agent d'avant. Coup de couteau, coup de couteau, y'a du sang. Et je crois qu'après ça, les flics faudra les semer. Soumission prise parallèle, je lui ai mis des coups de rein qu'elle trouve pas ailleurs. Et toi d'ailleurs, t'es qu'un blablateur. On a remonté le tout sur l'opérateur. Ma Rolex tic-tac, les pompes font clic-clac, boum. J'suis pas sur l'avenue, mon pain au-dessus de moi, y'a ma teinture, c'est tout. On a dormi dans le four, y'a des comas, des commères, des donneuses de go. Y'a des comas, des commères, des donneuses de go. J'suis devant le pupitre et tout de suite le public applaudit. Quand j'profonde dans l'hôtel, elle a vomi. Quand j'profonde dans l'hôtel, elle a vomi. On vient tous du Banks, on vient tous des Trojis. Tous les itinéraires, tous les ateliers. Belex à table, hydraulique et le bélier. Prise de contact, j'attends le top départ.
J'annonce la pluie quand les shooters se gardent. C'est comme toi, ils sont bêtes tes potes. On me fait rentrer pour que je mette des buts. Rien n'a changé, j'ai juste le book. Je fais deux speedés pour qu'ils poussent les pecs. Y'a pas de temps, m'a dit, y'a zéro comédie. Confetti, tu finiras si tu polémiques. Car la K47 automatique sans la moula. Tous mes gars sont trop colériques. Bah ouais, sont colériques. Moi, dans l'état satisfaisable, c'est nos limites. Rajoute des points sur mon chèque et vite. Kounia Mama au plus de bénéfices. Que si des sites et que la France a délaissé. Il se fait piétiner le bosseur paresseux. J'ai de la fumée de pilon plein la cabessa. Si tu veux de la fumette, bah c'est par ici. Et si tu veux des chats, bah y'a pas reçu. Enculé. Enculé. Et si tu veux des chats, bah y'a pas reçu. Fais du sale, enfoiré. C'est la rue, enfoiré. Voilà, c'est la rue, c'est la rue. Voilà. Vraiment, vraiment. Non, chaud. La rue était dans le cercle, s'il vous plaît. Du bruit, tout le monde. J'avais mon petit café il y a deux minutes. J'ai dû le céder à mon invité. Merci beaucoup. Comment merci pour l'invite. Ça va très bien. C'est fort de café. Merci de l'invite. C'est fort de chocolat. Exactement. Comment tu vas? C'est cool que tu sois là, putain. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on a su. On tolère le placement de produit. C'est je suis désolé, important. Je suis désolé. C'est mon sponsor. Il n'y a pas de problème, c'est important. Comment ça va, Thomas? Ça va très très bien. Très très bien. Thomas, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es à la tête du JDR. Exactement. Journal du rap. Exactement. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans et demi. Ouais. On a changé la formule, on essaye de. Voilà, d'aménager le truc, d'apporter de la nouveauté, etc. Mais ça fait 3 ans. Okay. Même chose, récap de la semaine. Samedi à 14h, abonne-toi, la cloche, tu connais. Je sais que tu es abonné. Avec le, et laisse un com pour le référencement. Exactement. Tout à fait. Exact. Au-delà du fait que tu sois journaliste et que tu présentes cette émission, je me rends compte que tu es un vrai kiffeur de rap en réalité. Exactement. Donc, t'arrives à tout ça par plaisir ou t'arrives à tout ça par. C'est une opportunité qui se présente. Comment ça se passe? Comment tu rencontres Bouscapé? Écoute, à la base, j'ai fait un stage là-bas où okay. J'écrivais et puis ils m'ont proposé une vidéo. Il se trouve que c'était un peu un renouvellement où ils cherchaient des nouveaux concepts, etc. Revenir un peu à ce truc de spécialisation, recherche de nouveaux talents. Donc, il y a eu le Wesh avec le Colombien, etc. Le Wesh. Le fameux Wesh. Ouais. Et puis voilà, ils m'ont proposé un truc. Alors, à la base, c'était pas moi. Ils voulaient une femme pour essayer de, voilà, de mixer un peu ça, ouais. La parité. Parce que si la parité n'a pas fonctionné. C'est jamais d'une mauvaise intention. Bien sûr que non. Et du coup, ils m'ont proposé, on a fait des pilotes. Premier, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché. On en a fait un troisième. On commence à trouver la petite formule. Il y avait un ton, etc. Et le but, c'était de, voilà, de parler de l'info. Ouais. Et de, sans dénigrer, mais de se dire que le rap, il est à un niveau suffisamment élevé pour qu'on puisse se permettre, tu vois, des petites vannes, des petits trucs en montrant avec bienveillance que voilà, que le rap, c'est un truc qu'on aime, bah, qu'on aime en parler. Je suis d'accord, notamment avec votre intro où à chaque fois, t'invites des rappeurs. Exactement. Il y a toujours un petit moment un peu drôle. Des bons scénarios. Des bons donc, scénarios. Des fois, on se retrouve avec des rappeurs qu'on voit très Kaira dans les clips, qu'on sait qu'ils viennent de quartiers très chauds et qui ont des équipes très chaudes autour d'eux, mais finalement, tout le monde est détente, tout le monde est bonne humeur. Exactement. Et certains viennent avec des vrais scénarios, des vrais trucs. Sérieux? Et puis après, c'est. Il y en a qui viennent avec des idées. C'est Actor Studio. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, franchement, mortel, ouais. Ça. Et ça fait plaisir. Tu vois, parce je que sais sinon, pas si tu m'as moi. Déjà invité. Mais bien sûr que si. Je sais pas. T'étais venu, t'avais présenté les locaux, etc. Moi, je t'attends, c'est quand tu veux, exact, tu viens. Exact. D'ailleurs, si je puis me permettre, bon, je viens en journaliste. Merci de l'invitation. Mais merci à toi. Du coup, j'aimerais savoir si tu peux me donner une date d'album. Moi, je viens pour gratter un petit peu. Je viens pour un petit peu gratter de l'info, tu connais, parce que voilà, je prêche pour ma paroisse. Est-ce que t'as des infos à donner un petit peu? C'est bien tenté. C'est bien tenté. C'est bientôt. Ah putain. C'est bientôt, mais c'est bien tenté. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y a une table, il y a une table d'affranchis, il y a quelque chose. Ouais, il se passe des covers qui circulent, il y a quelque chose. Il y a 2-3 bricoles qui se préparent, effectivement. Mais on est là pour parler de toi. En tout cas, est-ce que t'as passé un bon moment? Est-ce que t'as apprécié? Franchement, moi aujourd'hui, je trouve que le casting est extraordinaire. Je sais pas ce que t'en penses. C'était incroyable. Franchement. D'habitude, bon, il y a des newcomers, c'est toujours bien parce que c'est des têtes nouvelles, etc. On ouais, voit. Ouais, ouais. Et là, il y avait déjà des. C'était très très sérieux. Ah, il y avait de l'épais, du costaud. Des très très gros freestyle. Franchement, je pense que ça va être. Là, tu reviens très fort avec. Si écoute, en tout cas, tous ceux qui ont kiffé le cercle pendant les deux premières saisons, ah voilà, on a eu une période de vide un peu avec le Covid, tu vois, c'est le cas de le dire. On a eu une période de vide et une période d'abstinence, on va dire ça comme ça. Ça nous fait vraiment énormément de bien de revenir avec cette émission et de passer ces moments-là et surtout d'échanger, de présenter et de discuter avec ces visages qui font le rap français toute la semaine, tous les mois, toute l'année. Grand bienvenue Thomas, merci à toi pour ta présence. Merci beaucoup. Tu te déchires. Merci. On retourne au rap de suite, mon ref. Tu restes la forme, t'as la chopé Shikai. T'es mon gars, c'est mort que je parle avec toi maintenant devant la caméra. Allah, t'es avec moi, t'es mort. Frérot, j'enchaîne immédiatement. C'est monsieur Youssoufa, s'il vous plaît. Du bruit pour lui dans le cercle. Cash money, cash money gang. Charbonné, charbonné. Cash money gang. Charbonné, charbonné. Y'a que Youssoufa dans le cercle. Du bruit, s'il vous plaît. Et ok, tu les balances. Cat Killer, le cercle, Rims, parolier, le lyriciste, Vanto, Fianso. C'est une bonne journée pour rapper. Marion Maréchal, me dis pas que tu m'aimes.
sale poucave, de quoi tu te mêles. Ta carrière, y'a pas plus maigre. Ma carrière, y'a pas plus nègre. Regard noir, y'a pas de prunelle. Je veux la lumière, pas le tunnel. Je rappe, c'est pas de la frappe humaine. Tu sais déjà pourquoi tu m'aimes. Africain régional, blédard jamais raisonnable. Chez nous, lacrymogène est banal, comme le déo Rexona. Nique les cases des dits. Quand je croise quelqu'un que j'aime pas, je lui dis que c'est pas moi, je suis pas baby. Hey, un peu triste, un peu roublard, un peu dribble, un peu boom bap, un peu dream, un peu rumba, un peu drill, un peu indé, un peu vip, un peu blindé, un peu vide, un peu rinté, impossible, rapper mieux que moi, impossible. Hey. Ce que la vie me permet d'être chez nous, on t'aime pas comme Ardisson, on t'aime pas comme Pierre Ménès, bâtard, fuck la politique, je suis rebellé. Je suis ni de droite, ni de gauche, alors je vote pour Ousmane Dembélé. On t'expulse, ce couplet on exclut. Si tu travailles deux fois plus, moi je travaille le sextuple. Je ne cherche pas d'excuses, punchline il m'en reste qu'une. Quand j'ai plus d'inspi, j'invente une gestue. Je mélange fruits et alcool, je mélange rire et hardcore. Je mélange la vie de Walter White et la vie du père à Malcolm. Oh, je suis ni général comme Kratso. J'attends le prochain Grand Paris pour casser la gueule à Fianso. J'ai brûlé le cerf. T'as un balade mental. T'attends le prochain Grand Paris pour me casser la gueule. C'est pas frère. T'as mis des beaux crochets sur celle-là. C'est le texte du matin. Je peux t'en faire une. Frérot. Non, mais non, c'est trop ce que t'as fait. Ouais. Sinon, après, je suis obligé de rapper, c'est relou. Oh putain, t'es relou. Youssoufa Danser. Merci, frérot. Merci à toi. Ton album est une bombe. Tes gimmicks sont des bombes. Je vous invite tous à aller voir ça parce que c'est vraiment la ton frappe. Merci mon sang, on se bat. Très très lourd. Vraiment, le retour de Youssoufa, ça vaut le coup. Allez voir. La Sana, des gros bisous, mon sang. Est-ce qu'on peut enchaîner? Est-ce qu'on peut continuer? Ouais, OP, on continue. Là, c'est la touche féminine. Mais t'as capté, on s'en bat la race en vrai, la touche féminine. Pour nous, c'est un rappeur comme les autres, frère. T'as capté ou pas? Elle vient du sud de la France, mais elle a dit, elle vient de toutes les cités de France. Elle s'appelle Osem. Je veux du bruit pour elle dans le cirque, s'il vous plaît! T'expliquer deux trois choses et ne baisse pas le menton, t'as de la chance que je puisse pas te mettre trop coup de poing. Ça y est, je suis dans le fer, dans mes mains j'ai toutes les cartes. Écoutez bien ce que je vais dire, mes jambes ouais, jamais je les écarte. Ils voudront jamais s'y faire, dans mes yeux tu vraques des cerfs. J'ai charbonné tout l'hiver et cet été je vais faire de même. Va falloir que je fasse ma place et que je mette tout le monde d'accord. Par la vie j'ai pris des boîtes, des blessures qui passent par la porte. Ils nous manquent depuis des siècles, mais moi je vais pas me laisser faire. Ils nous manquent de l'oseille pour pouvoir mener notre guerre. Oh merde, c'est la guerre, à qui tu déclares la guerre? Je vais pas m'inventer des vices que j'ai vécu, ça pue sa mère. Oh merde, c'est la guerre, à qui tu déclares la guerre? Je vais pas m'inventer des vices que j'ai vécu, ça pue sa mère. J'ai des souvenirs plein la tête que je préfère oublier. Ce que j'ai fait, je l'ai fait seul, il va falloir le souligner. Le rap, je l'ai dans les veines, c'est le seul mec que j'ai aimé. Dans mes textes, je suis pas vulgaire, mais nique sa mère, je vais tout baiser. 2 ans à peine que j'écris, disent de moi que je suis doué. Qui sort, ça vient de mes tripes. Pour ma carrière, je vais tout donner. Ouais, mon cœur, je l'ai arraché. Pas besoin pour ce monde de chien. J'entends beaucoup trop parler. Je vais soigner le mal par le bien. Ouais, mon cœur, je l'ai arraché. Pas besoin pour ce monde de chien. J'entends beaucoup parler. Je vais soigner le mal par le bien. Et la prochaine étape, Fianso, après on parle. Sachez qu'en face de vous se trouve la prochaine tête du rap. Et du bruit, la guerre! Mon ref, c'est comment? Le souffle, c'était le souffle. C'est pareil. Eh, elle est pas venue en touriste, la cousine. Hein. Voilà. Bravo. Allez, rentre dans le cercle. Bernard, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, Frelon? Calme. Aujourd'hui, t'es là pour représenter Blue Sky. C'est ça, la belle Blue Sky. Blue Sky, ouais. C'est une structure qui existe déjà depuis un moment. Ouais. Qui a déjà rencontré pas mal de succès. Est-ce que je voulais que tu nous en parles de ton rôle au sein de Blue Sky, okay. C'est aussi, là, on peut citer Sacha, ouais. la structure de Sacha de Blue Sky. Clairement. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ton rôle à l'intérieur en tout cas? Moi, j'ai cru que tu étais directeur artistique, mais finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Dis-moi. Ouais, donc moi, je suis label manager et responsable marketing chez Blue Sky. Ok. J'y suis depuis 4 ans aujourd'hui. Ok. Et en gros, mon rôle dans la structure, c'est d'articuler le tout au niveau de la production pour que tout se passe bien, pour que les budgets soient respectés, les deadlines soient respectés et que tous les projets soient menés à bien, quoi. Ok. Voilà. Le label Blue Sky,
Il produit combien de personnes? On travaille aujourd'hui avec une dizaine d'artistes, ouais, en développement. Et après, l'autre partie, le côté édition. Du coup, on travaille avec 18 beatmakers, en fait. Donc, pour la partie publishing, tu peux nous citer quelques compos? Je sais que tu peux pas citer les 18. Ben, on a du Noxious, ouais, Boomy Jal, on a du Jamie Black, on a Drama. C'est des noms qu'on entend très souvent sur les ouais, albums le... ouais, sur les qui albums sortent en ce moment, ouais, depuis ça, quelques années déjà aussi. Ouais, clairement, clairement. Ok, et en production, Frénétique? Ouais, Frénétique. Ouais. Gianni. Gianni. 404 Billy. Ok. Cible des trois éléments. 404 Billy, ouais, oui. 404 Billy. On l'a vu dans le cerf, 404 Billy. Ouais, 404 très bon, 404 Billy. Donc on a Cible des trois éléments. Ouais. Ensuite, on a Biazuka, c'est le jeune artiste. Ok. Qui, on a sorti un premier EP dernièrement et on continue de travailler dessus. En développement, donc. En développement, toujours. Pratiquement tous les artistes qu'on a chez nous. Ouais, c'est que du dev. Après, à certains niveaux de développement chacun, mais c'est pratiquement que tu as lu. Et alors, disons que moi, je suis un jeune artiste. Ouais. Je viens de, je sais pas moi, du 9-3, de Nantes, de Mulhouse, peu importe. Mmh. Et moi, je veux faire écouter ma maquette à Blue Sky. J'ai envie que les mecs de Blue Sky écoutent ma musique. Comment ça se passe? Ben, faut envoyer un mail. Faut envoyer un mail. Donc les mails sont dispo sur les réseaux sociaux? C'est sur les réseaux sociaux. C'est le DA, du coup, qui gère ça. Okay. Il s'appelle Ismaël. Ismaël. Donc du coup, faut l'envoyer un mail. Et il va écouter. Il prend le temps d'écouter tout, clairement. On fait pas de choix par notoriété ou quoi. On écoute vraiment tout, que ce soit okay, des compositeurs ou des artistes interprètes. On écoute tout et on se décide, on fait du brainstorming en interne. Vous avez et respect, on se positionne. Vous avez le respect du travail des gens. Clairement. C'est cool. C'est cool. Donc, jeune compo. Ouais. Ou jeune rappeur. Clairement. Ou artiste en général. C'est pas ça, que du rap. Hein, pas que du rap. Je vais récupérer une adresse mail sur un Instagram c'est d'un ça, membre de Blue Sky. Clairement. Et je peux envoyer une maquette. Direct. Voilà. Et on va écouter ça. Ça te déchire. Et si ça tue, on fait un retour. Ça te déchire. Clairement. Merci Bernard. Ben merci à toi. Merci beaucoup, tu déchires. Yes. On retourne dans le cercle. Et on continue de suite avec mon ref qui est venu du 9-4, qui est en ce moment un des buzz du moment, qui est récemment signé sur Sony. Nous on le kiffe, j'espère que vous allez kiffer aussi. Si tu payes pas, je vais te cogner, Kofi et K. Kingston, pas Olomide, même pas je les cala. Quand tu vois les keufs, sont mon catalé. Appel pour des kilos. Oh, Cut Killer, balance! J'aime pas les cachages, mais je vais faire un effort, j'espère que t'as pigé. Ramène mes sous, arrête d'aboyer, reste comme tout doux, j'ai de pas bouger. Je prends le pouvoir, je fais leur remontada, je maîtrise l'art de la guerre, je fais comme un dada, je contrôle tous les réseaux, je contrôle la tata, vie pour les écraser, ça c'est mon dada. On t'attaque, tu réponds en réplique, fausse plaque, vrai glock, négro, rapplique, c'est le cœur qui palpite. Quand le tien c'est ta faute, payer dans les temps. Pareil c'est tragique, tragique quelquefois, pareil c'est magique, quand je prends tes biens, les transforme en bistant inoffensif. Ça c'est ton opinion dans la chaussette, ça c'est mon opinion, maman la vie nous sort pas dehors. Sortez, je rentrais chez les gens MDR. Pendant que j'étais en train de tout piller, elle portait mon nom dans la prière. Et qui voudrait noyer mes peuvent pas m'arrêter. Depuis que je brasse plus, mais que je nage trop, je vais m'acheter un jet ski. Ça va leur faire drôle de me voir détaler. Comment avoir une vie stable quand le bateau ne fait que tanguer? Pirate de mer au bord du navire, en recherche d'or, non pas d'amour. J'ai arrêté de compter le nombre de pillages, je rattrape le temps perdu. Le mal qu'on m'a fait 10 fois, j'ai rendu le préjudice compte en millions. Mais à vrai dire, je suis le milliard. Je rencontre et je resserre les taux, je rentre dans le cercle, il me reste du ghetto. Association de malfrats, on recherche l'étale. Je raconte ma vie, je suis loin d'en faire des tonnes. J'ai pas tout vu, mais y'a plus grand chose qui m'étonne. Ah, c'est carré, ouais. Confie dans le cercle, t'es dans le cercle. Chaud, mon ref. Bravo, mon ref. Bravo. Chaud. Il nous reste une prestation, il nous reste un invité. Ouais, c'est vrai que je rentre. C'est maintenant que tu vas rentrer? Ouais. Ouais. Non, on va te prendre au mot, frérot. Le prochain. On va te prendre au mot, frérot. Non, le prochain. Cut Killer, attention. Non, poteau, bouge pas, parce que maintenant que t'es là, tu peux plus. Non, bouge le pas. Le prochain, pas. Je rigolais, c'était une blague. Non, t'as pas compris. Non. Je t'explique. T'es un peu dans le 9-3, t'as vu, t'es chez nous. Lui, quand il t'envoie au milieu, il sait ce que je vais faire. T'as compris? Là, t'es tout rouge, mais arrête. Voilà. Je fais pas, là. Là, t'es tout rouge, mais arrête, frérot. Voilà. Mais je sais pas faire. Eh, gros, là, on est pas en placement de produit, c'est du sérieux, c'est du réel, ma gueule. La vie de ma mère. Là, je dois faire. Là, bah ouais, frère. Là, on va t'envoyer une prod, t'envoies. Vas-y. Jure-le. Non, je vais pas. C'est bon. Sors du cercle. Par contre, t'es convoqué. Ok. Prépare-toi. On continue, il nous reste un participant, il nous reste un invité. C'est un casting de fou, sincèrement, et je suis super content de l'avoir pour terminer. Je sais pas si t'as remarqué, je parle un peu comme Fico TV. Fico, je parle comme toi ou pas? Ouais, je suis désolé, Fianso. J'étais en train de préparer ma petite vidéo actualité du soir. Toi-même, tu sais, je suis basé sur le rap français et sur ma chaîne, je fais une vidéo actualité tous les soirs. Ouais, franchement, rien à dire. Il y a vraiment une petite ressemblance au niveau du débit. Au passage, je suis vraiment content que le rendement cercle ait pu se faire, malgré tout ce qui s'est passé, etc. Et oubliez pas de suivre chaque artiste qui sont passés dans le cercle. Et encore, respect à toi, Fianso, pour l'initiative. Ah, moi, tu sais quoi, je retourne à mes actus. Encore, grosse force à vous pour le cercle. Et juste au passage, l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les refrancements et nous dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de métal au commentaire, tu vas 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Comme tu sais, Fianso, mon igloo. Kiss the game. T'es une bombe, ma gueule.
au top. On continue de suite et on termine avec mon gars. 9-1 est dans la maison. Evry est dans la maison. Le Seven Banks est dans la maison. Chica et Argenté dans le cercle, s'il vous plaît, du bruit. Vous pouvez venir, on est beaucoup. Armée des armes de Moscou. Tu vas gré des coups. Donc dedans, je m'en bats les yeux. Chica Argenté, Chica Argenté, Chica Argenté. Chica Argenté, Chica Argenté, Chica Argenté. Chica Argenté, Chica Argenté, Chica Argenté. Pour rentrer dans le cercle, faut que tout coupé soit carré. Pour avoir des ronds, faut que le plafond soit carré. Bah ouais, t'es con, c'est moi. L'arrière de Logic est mal garé. On les vend en Gucci, jamais avenue Montaigne. J'suis tellement dans la street, j'commence à prendre son teint. Laisse-les croire, c'est des fous quand ils sont sans. Je jure devant le pétard, tout seul il va déteindre. C'est la vraie cité pour de vrai. J'compte que sur mes frères, vrai de vrai. Ceux qui font si tu dois liquide ou si ça doit parler à faire. On touche que les durs, on touche plus les faibles. J'ai une nouvelle moule, là j'dis pas la recette. J'en ai 4 à plus, je ne me casse pas la tête. T'as vu me gifler, ma cramé, j'suis doublé. Dans le bat, y'a la batte, s'il faut se battre, ton équipe on botte. Je suis trop cheaté, on dirait j'aime botte. Zéro défaite, c'est grave mon pote. Y'a des gros chats excités dans toute la cité, c'est miné pour de vrai. Si t'essaies de riposter, tu verras toi même que tu paieras tes frais. Hein? Chikaï, ils connaissent tous. J'accepte les dédicaces. Chez toi, elle fait l'Arlen. Chez nous, c'est une grosse tasse. Chikaï, ils connaissent tous. J'accepte les dédicaces. Chez toi, elle fait l'Arlen. Chez nous, c'est une grosse tasse. Chica Argenté, Chica Argenté. Chica Argenté, Chica Argenté, Chica Argenté. Chica Argenté, Chica Argenté dans le cœur, s'il vous plaît. Merci mon ref. Merci mon là, merci. Allez, rentre dans le cercle. T'as vu les perches, les trucs? Ouais. Normal, t'as vu, tu connais. Non, 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 non. Tant qu'on n'est pas perché. On va couper ça. comment tu vas, ma gueule? Tu me dis que là, c'est salsa, frère. Organise-moi. Comment tu vas, frérot? Ça va, alhamdoulilah, grâce à Dieu, mon frère. Putain, merci pour la. Merci pour la. Et merci à toi d'être là de fou. Voilà, franchement. Je te présente, pour ceux qui connaissent pas ma commu. Ouais. Babacar. De Saïd, de son prénom. Exactement. Nous, on se connaît de longue date. Exact, ouais. T'es c'est arrivé avec plein d'initiatives pendant plein d'années et là, tu t'es ancré. T'as posé tes bagages. Ouais. C'est à Bonport, ouais. Webedia. Cette structure, c'est un peu la structure qui gère tous les rapports avec l'urbain, les talents chez et Webedia. L'influence, surtout. Et l'influence. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire quelques mots? Déjà, cette structure, comment elle s'appelle? Comment s'appelle ton camarade, parce que vous êtes deux? Ouais, je suis pas tout seul. Présente-moi un petit peu la sauce, pour ceux qui connaissent pas. Vas-y, avec mon associé donc, qui s'appelle Mehdi. On a monté un label. Donc on a dans la gestion de talent. Donc on a géré Michou et Inox. On est venu pour faire une signature chez Webedia. Et ce jour-là, on s'est rendu compte en fait avec Mehdi de l'infrastructure qui a été mise à la disposition de justement des talents YouTube et des talents de l'influence. On s'est dit, mais pourquoi on met pas ça au profit des talents les plus méritants dans l'urbain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on s'est associés et on a monté le département urbain chez Webedia. Parce que tu le dis légèrement, moi ouais. Je le dis quand même, c'est énorme. C'est énorme comme ouais, structure, c'est un très gros bateau qui est arrivé déjà et qui est en train de se construire d'étage en étage. Ouais. C'est fou ce qui se passe pour toi depuis quelques mois. Ouais, grâce à Dieu, franchement, ouais, c'est vrai. Tu me parlais d'Inox, de Michou. Ouais. Moi, j'ai envie de te parler d'OMR, j'ai envie de te parler de tous ces artistes que tu gères. Tu peux nous en citer plusieurs? Ouais. Il y a plein d'activités, en fait. Après, exactement. Donc, on a des talents triple A qu'on signe. Bon, je tairai les noms. On a un beau roadster, grâce à Dieu. Et tu on aime beaucoup le terme triple A. Ouais, triple A. On aime beaucoup. Magnifique. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, justement, que nous, on accompagne dans le digital, on sait dans le gaming quand ils veulent y aller. Et on accompagne aussi les talents du web, tu vois, dans la musique, créer des crossovers. Sur cette partie-là, on a une partie développement où justement il y a OMR, donc c'est le dernier petit bébé là qu'on a. On a RY78, tu vois, et on a Miles. Et donc on développe avec les outils qu'on a, tu vois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup sollicité. Il y a des talents qui démarrent de zéro, qui sont personne, et personne, que ouais. Tu développes de zéro en partant en bas. Ça sur toutes les plateformes. Pratiquement toutes les applications, t'as des TikTokers qui ont énormément d'influence, Inox et Michou qui sont des monstres de YouTube, voilà. Et d'autres plateformes d'ailleurs, je suis tombé. On a la chance en fait d'être entouré de talents qui bossent et qui aiment ça et qui prennent du plaisir et ça se ressent sur les contenus qu'on offre à la commu. De toute façon, la structure est très familiale. Moi pour la connaître, pour passer des heures avec toi. Ouais.
Et l'équipe, c'est très familial, c'est très convivial, tu rentres directement dans un cocon, c'est bienveillant, il y a beaucoup d'amour. Moi, je vous respecte beaucoup, et je respecte beaucoup ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes parler dans le cercle. On est des amis de longue date, on se dit qu'on va faire un million de trucs ensemble. Ouais. On le dit maintenant ici. Ouais. Et, on le dit, on le signe. C'est très important. Merci, Babacam. C'est moi qui te remercie, Sofiane. Et franchement, mais même, je tenais à le dire, et t'es un exemple aussi pour nous, pour moi et pour même mon associé. T'es le talent, l'artiste le plus fédérateur en France. Merci. Mais vraiment, vraiment, tout ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui, t'as vu, j'ai toujours eu l'œil sur toi, on se connaît depuis très très longtemps, t'as défoncé des portes, tu vois, et c'est un peu nous, ce qu'on nous, on a fait, mais 10 piges après. On a dû défoncer des portes aussi, tu vois, pour arriver là. Et c'est comme ça. Mais on les défonce proprement. Fut un temps, je me souviens que c'est toi qui m'as fait passer derrière certaines portes. C'est une galère. Ah, merci, Boba Cam. C'est moi qui te remercie. Merci. Wallah que c'est moi qui te remercie. La commune, on vous embrasse. Exactement. Check. J'aimerais te faire un câlin, mais on n'a pas le droit en ce moment. Comment ça va, frérot? Ça va super bien. On s'était prévu un petit scénar à la con, mais je préfère qu'on se parle en nature. Ouais, en vrai, hein? Est-ce qu'on met le tout match, voilà. Vraiment. Tu sais, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. J'ai envie de te dire, oh, putain, t'es rempli de... Il y a plein de proverbes, maintenant. Écoute, c'est l'Académie française, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu croises les jambes, d'accord, très bien. Bon, on se la fait pâté gommon. Très bien. J'ai envie de te dire. Non, mais j'apprécie. Bienvenue dans le cinéma. Bienvenue dans le cercle. Bienvenue dans le cercle. Tu sais que je suis content de te voir en vrai. Franchement, je suis super heureux de te voir, même moi. Et je vais dire pourquoi. Déjà, de un, je vais le dire aussi devant les caméras, parce que t'as fait quelques années dans ma ville. Ouais. En plus, des années pas faciles. Des années pas faciles. Tu sors d'un vrai vécu de mec de chez nous. Et c'est des conversations qu'on a pas souvent eues, toi et moi. On l'a eu la dernière fois, on l'a eu récemment. Et quand je te vois moi évoluer dans le milieu dans lequel tu évolues, dans les sphères dans lesquelles tu évolues. Faire le job, montrer une belle image de nous. Envoyer quelqu'un qui a un minimum de réflexion, qui a du vocabulaire, qui sait tenir des plateaux télé, qui sait être drôle, qui sait avoir du talent, en même temps de nous envoyer, de nous refléter une belle image, ça me rend super fier. Voilà, je te le dis. Merci sincèrement. Beaucoup, frère. Et moi, je suis le premier témoin des endroits d'où tu viens. Ouais. Et faire cette passerelle-là, s'adapter comme tu l'as fait, vraiment, bah déjà, il n'y a que le talent qui pouvait te permettre de faire ça. Merci et bravo pour tous les gros succès qui se sont passés ces dernières années. Bah attends, moi, je suis pas venu pour que tu me gênes, tu vas me gêner, frérot. Bah non, en vrai, c'est ça. C'est sincère, tout ça. Tu sais, c'est le choix. Tu sais, cette vie, à un moment, qui soit t'as deux chemins, soit tu pars à gauche, soit tu pars à droite. On a choisi le théâtre, on a choisi le cinéma, on a choisi de faire rire les gens, de véhiculer des messages positifs. Parce que comme tu dis, évidemment, voilà, on vient du même milieu. Hein. Je kiffe parce que moi, c'est un peu un truc duquel je m'enorgueillis, c'est d'être fédérateur. Tu vois ce que je veux dire, de rassembler les gens. Bien sûr, tu le fais vraiment aujourd'hui, t'es là dans le cercle. Et tu prends quelques minutes pour parler avec nous parce que t'es un vrai kiffeur de rap.
Mais je suis un vrai kiffeur de rap et en fait, tu sais, ces endroits-là où t'as l'impression vraiment d'être en famille, tu vois. C'est-à-dire que le rap, on connaît, on a commencé dans des MJC où on était 32 à faire comme ça. Où il y avait un micro. Avait un micro et... Avec un fil. Un micro avec un fil. Branché directement à la baffe. C'était déjà une bagarre pour rapper, je te jure. Tu vois. Donc tu sais, ces endroits où t'as l'impression... Ça fait du bien de temps en temps, tu vois, quand on est, voilà, on est invité dans des grands festivals, dans des grandes promotions, etc., etc. Ça fait du bien des fois de se retrouver où ça kick. Moi, j'ai un kiff que je peux raconter à la caméra ou pas. J'ai un kiff, monsieur-là. Une des premières fois où je l'ai appelé en FaceTime, il y avait un paperboard derrière. Et là, je me suis dit, OK, mec, c'est un patron, c'est un chef d'entreprise. Avec des écritures, hein. Genre, avec des Véleda. Avec du Véleda. Tout ça. Je dis, là, le mec, c'est un patron. Et ça, c'est kiffant, parce que les gens, ils disent, OK, bah, j'ai envie d'être Fianso. Pas que dans le rap, j'ai envie de manager, j'ai envie de truquer, j'ai envie d'être producteur. Et ça fait kiffer. On se bat et je te cache pas que quand ça devient concret et que ça devient réel, c'est des victoires de fou. Ouais. Voilà. Ahmed, on voulait vraiment que tu passes un bon moment. Merci beaucoup. Et on voulait vraiment que tu viennes partager ce moment-là avec nous, que tu écoutes du rap en direct, que tu écoutes ces jeunes rappeurs qui font l'actu, parce qu'en réalité, il y a des mecs très connus là, mais il y a aussi des mecs. Et c'est carré, c'est professionnel, tu vois. Tu sais, on a cette image du rap un peu. Un peu fouillis, un peu... C'est carré. Bah écoute, on essaye en tout cas. Tu vois, tu dis, tu donnes les directives, hop, les gens... On essaye. Bah, c'est après, bien. C'est les professionnels de la musique. C'est ça. C'est les professionnels de la musique. Et même quand ils sont jeunes, finalement, bah ils sont plus ou moins sérieux, tu vois ce que exactement. Et ils arrivent à l'heure. À l'heure et tout, mais c'est ça, ponctuel. Mortel. En tout cas, t'es le bienvenu dans le cercle, mon frère. Bah merci beaucoup. Je voulais juste marquer ta présence et te dire que t'étais le grand bienvenu quand tu veux. J'aime ce monsieur. Allez, rentre dans le cercle. C'était... L'épisode 1 de la saison 3 de Rentre dans le cercle. Merci à tous, merci beaucoup. Viens me battre. Allez, rentre dans le cercle.